Salut tout le monde, bienvenue sur Edge of Mythology Retold. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la mission numéro 15 de la campagne La Chute du Trident en route. Les héros sauvés doivent reprendre la relique d'Osiris à Abydos tout en affrontant les forces de Khemsit et de Camus. J'ai un souvenir de cette mission qui est plutôt sympa. On est parti. Nous devons récupérer la relique d'Osiris avant de partir. Vite! Les troupes de Gargarensis et Khemsit vont bientôt arriver. Nous avons encore des alliés ici. Seth ne fait pas l'unanimité. Oui, j'ai des amis ici. Ils nous aideront. Je me suis occupé des moyens de transport à la sortie de la prison. Nous devons rester ici jusqu'à leur arrivée. Et en plus, on a une tortue de mer pour nous aider là. Positionner la tortue pour... tiens. Les gardes nous ont découvert. Voilà, on les a tous tués. Esto es vague. Il est fair. Kalos es vague. Ouf. Oro. Allez hop, un navire en moins, comme ça on évite que... Ils viennent d'arriver. Nous devons fuir vers la zone alliée de la ville. On va embarquer tout ce petit monde. La tortue avec. Into you. Et on devra aller par là de toute façon. J'ai peut-être trouvé une petite strat sympa que j'avais jamais tenté à l'époque, mais on va voir si ça rentre. Ok, donc là, la tortue, les kébénites et les deux pirates dans notre sillage. Into and wedge. Go. Encore un bateau pirate. Into. Garrick. Bienvenue, Arcanthos. Notre connaissance du lieu compense nos faibles ressources. Nous vous aiderons à récupérer la relique d'Osiris. Garrick. D'accord. Je sais ce qu'on va faire. J'avais un souvenir dans ce scénario quand tu détruisais le phare. Ça empêchait les navires Khemsit de Camus de venir. Khemsit déplace sans cesse cette réplique d'Osiris pour la protéger. Elle bougera encore. Alors ici, ça va être utile. Plus de faveur des monuments, ça je prends tous les jours. On a déjà une petite armée en place. On a une relique ici. Augmente l'attaque à distance des bâtiments, ça va être utile. Reculer. Oh, il y a du monde, d'accord. Esto. Garrick. Ensuite, on va faire des bûcherons. On a des maisons par-ci par-là. Est-ce qu'on a d'autres... La relique est là. Enwich. J'ai tout de suite débloqué. L'armurerie, il va nous la falloir. On va aller taper le phare tout de suite. S'il est illuminé, je pars du principe qu'il y a une raison. Si nous détruisons le phare, voilà. Les pirates ne pourraient peut-être pas entrer dans la baie. Bon, on va faire ça. On va aller faire ça. Comme ça, on sera tranquille. On aura une menace. Enfin, moins de pression à gérer de ce côté. Rig, Baya. Et je vais faire quelques navires de pêche aussi pour m'aider. Inten Wedge. Putain, il y a deux reliques là, c'est quoi? Les bâtiments sont construits plus rapidement. Allez, ravagez-moi ça.
Gurig. Intiu. On va taper le phare, comme ça on générera une enfin moins géré. Il y a deux reliques là-bas. L'infanterie plus rapide, ok. Gurig. And Gurig. Intiu. Le phare est en cours de destruction. Et je sais ce que je vais tenter comme strat. Une strat que j'ai fait dans une autre mission il n'y a pas longtemps. Ça y est, le phare est pété là. Into you. In wedge. Into you. On va vite faire un marché là. Kid. On va voir ce que ça donne. In wedge. In via. Alors on va tout passer à l'H3 et je vais faire tout de suite à tort justement pour avoir le rock. Yeah. Kostani. Là, la relique elle est là, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont en défense? Bah, tu sais quoi? On va utiliser nos navires pour péter les tours là. Finito. Faudra peut-être que je fasse aussi des monuments. Greg. Kid. Greg. Bon, on va essayer de raser les tours pour se donner une plus de facilité. Ces tours gardent la relique d'Osiris. Détruisez-les. Oui, oui, c'est prévu, tranquille. On a le roc qui est prêt, enfin un des rocs. In which kids. In wedge. EU. In UER. Rocheche. Excuse me. Gary. And in tier. Là-bas. Into you. Gurig. Les malista. And you refer. In erifir. Prostagma. Into you. In wet high all. Gurig. Allez, on tente notre nouvelle opération. Into you. In. Ah,
la relique d'Osiris hors de la ville. Hop. Nous devons nous battre jusqu'à la porte sud. Antio. Allez. Là, j'ai tenté un grand contournement. Et je rigole si ça marche, hein. Et hop, le tour est joué. Voilà, bon, rien de compliqué, hein. Je pense que en fait, si vous arrivez vite à péter les tours et tout ça, vous mettez bien. Ensuite, vous utilisez la roque pour récupérer le chariot. Et ensuite, vous envolez, vous faites un petit tour. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette mission 15 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.